Bonjour à tous encore une fois et désolé pour les éventuels problèmes de son. Désolé pour les petits. Nous avons des invités visiblement chez nos auteurs, des invités surprises. Donc je voulais commencer très rapidement la table ronde en résumant une histoire, un petit mythe. Voilà, cette table ronde, c'est les catastrophes comme élément fondateur. Et c'est un mythe qui est assez récurrent dans de nombreuses civilisations anciennes, des mythes de destruction et de création. Par exemple, en Amérique du Sud, les Incas disaient qu'il y avait eu cinq âges du monde ou cinq soleils, c'est aussi un mythe qu'on trouve chez les Aztèques. Chaque monde ayant été détruit par une catastrophe, soit un grand déluge, soit les dieux irrités qui changent les habitants de ce monde en pierre ou en animaux. À chaque âge succède un nouvel âge qui est un peu plus avancé et un peu plus complexe. Bref, pour les Incas, le monde était pris dans un cycle permanent de destruction et de création. Et ils appelaient ça Pachacuti. Pacha, ça veut dire retournement ou révolution. Et Kuti, ça veut dire l'espace-temps. Pachacuti, c'est la catastrophe, car le mot catastrophe, ça vient d'un mot grec, catastrophe, qui littéralement veut dire retournement également, révolution de haut vers le bas. Les mythes sur la catastrophe, comme le monde qui se renverse pour se reconstruire ensuite, on en connaît aussi en Europe, on connaît le mythe du déluge, et signale la destruction d'un monde pour donner naissance à une humanité en fait moins mauvaise, donc au moins moins mauvaise que la précédente, et que les dieux s'interdisent d'annihiler. C'est déjà ça de gagné, j'ai envie de dire. Tout ça pour dire que donc dans les mythes, les catastrophes sont souvent l'occasion d'une renaissance. Ce sont donc des éléments fondateurs parce que c'est là qu'on détruit le monde ancien et construit le monde nouveau. On retourne le monde, comme disait Inca, Pachacuti, on retourne le monde. Et voilà que nous, nous avons une actualité brûlante. Nous avons un monde qui a été au moins économiquement, au moins bouleversé, voilà, révolutionné. Ce bouleversement passif nous a persuadé que rien ne serait comme avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste qu'il y aura un monde d'après qui sera comme le monde d'avant, mais avec un masque et 1 mètre de distance? Je ne sais pas. Mais au moins, j'aimerais qu'entre nous, nous en discutions, entre auteurs de fiction ou entre personnes qui s'intéressent à la fiction et à l'imaginaire. Car après tout, c'est aussi le rôle de l'imaginaire que d'imaginer les catastrophes qui vont donner naissance aux éléments fondateurs des mondes d'après. Bon, pour en parler, nous avons ici quatre auteurs ou quatre spécialistes. Donc Thierry Solar, ici présent, est journaliste. Bonjour. Aurélie Pacqui est historienne. Loïc Davra est archéologue. Et Yann Quérot est essayiste et Bonjour. spécialiste des questions climatiques. Et en même temps, tous les Merci. trois, vous lisez ou vous écrivez de la fiction, de la science-fiction, de la fantasy. Donc voilà, j'aimerais vous demander une question extraordinairement banale. Est-ce que vous avez déjà écrit un roman ou une nouvelle sur ce thème d'une catastrophe suivie d'une renaissance, ou les deux, ou est-ce que c'est un thème qui vous intéresse? Je vais commencer dans l'ordre. Qui veut s'exprimer en premier? Peut-être commençons par Aurélie, par l'ordre Je vais chronologique. peut-être commencer parce que ce sera. Ah. Oui, ce sera. Oui, Aurélie, on comprend. Aurélie, on t'entend. Voilà. Oui. Alors, je suis pas du tout écrivaine ou romancière ou quoi que ce soit. D'accord. Mais c'est vrai que dans quelques. Bah, c'est pu imaginer. Ouais, la catastrophe est souvent un élément, au moins un élément de la mythologie du monde qui va revenir dans enfin, dans la narration principale, sur laquelle il y a des choses à découvrir. Bon, c'est peut-être un petit peu cliché, mais voilà, enfin, en tout cas, la catastrophe est un élément au moins de construction du monde et peut-être important dans la narration. D'accord. Et Loïc, peut-être que tu as écrit une nouvelle, c'est ça qui est dans l'anthologie du festival? Je dis des bêtises. Non, c'est Thierry, pardon. Oui, Mais attends. peut-être que tu as écrit une nouvelle sur ce sujet déjà. Ah. Vas-y, Voilà. Oui. Ah. moi, à ce niveau-là, j'écris en fait une nouvelle qui est assez proche de la situation qu'on a vécue ces dernières semaines, en fait, où il y avait du confinement à cause d'une maladie bien plus virulente qu'à ce qu'on a. Mais c'est assez marrant, en fait, parce que c'est une nouvelle qui a été écrite en 2 ou 3 heures pour un match d'écriture comme celui qui a été organisé par Nice Fiction hier matin. Donc, où j'avais tiré comme contrainte d'écriture une pandémie. Donc, évidemment, voilà. Et je ne sais plus
quelle était la seconde contrainte, mais du coup, j'avais fait un virus intelligent, enfin, un virus qui, à cause du confinement qui était imposé, qui était totalement drastique, avec l'armée dans la rue qui tirait à vue tellement, tellement le virus était contagieux. Du coup, le virus trouvait comme parade pour s'en sortir de se virtualiser dans les laboratoires qui, et qui l'étudiait pour ensuite pouvoir revenir dans le monde réel par cette biais-là. Donc le côté pandémie et confinement, c'était quelque chose qui pouvait exister déjà avant. Et pour des catastrophes un peu différentes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai une qui est dans un roman que qui n'a pas encore trouvé d'éditeur, mais que j'ai décliné derrière dans une nouvelle qui est dans une anthologie qui s'appelle Dimension aéropostale. Et en fait, la catastrophe en question, c'était un flash électromagnétique sur tout, à peu près toute la zone française, qui faisait que tout ce qui était électrique, électronique, grillait sur le coup et qu'on se retrouvait sans électricité moins pendant un temps, le temps de remettre en marche les installations, de remettre tout ça. Et là, pour le coup, dans l'histoire en question, il y avait une pilote d'avion qui devait traverser la France en urgence. Et le seul avion qui marchait, c'était un vieux coucou du temps de l'aéropostale, du temps de Saint-Exupéry, qui n'avait pas d'électronique dedans, pas d'électricité. Et j'avais encore autre chose, je crois. Enfin voilà, j'ai quelques catastrophes comme ça qui peuvent arriver. Alors voilà, la catastrophe dans le roman, elle arrivait à la fin. Dans la nouvelle que j'ai écrite, elle arrive au tout début de la nouvelle. Donc la catastrophe, elle peut à la fois servir de conclusion à une histoire, comme elle peut servir d'entrée dans une autre histoire, selon les besoins. Et donc Loïc, puisque je t'ai... Alors, moi, il y a deux nouvelles où il y a des catastrophes qui sont en amont du début même de la nouvelle. Alors, l'une avait été retenue par Yann pour l'anthologie des OGM, et donc la catastrophe, c'était l'épuisement des ressources, la famine, par le biais de manipulation OGM. De quoi dans l'océan, des monstres quasi préhistoriques sont apparus, et en fait toute la nouvelle est du point de vue d'un navire baleinier, puisque c'est reconstruite sur les baleiniers. Alors, c'est une réminiscence pour Moby Dick, d'Herman Melville, voilà, bon, qui lui-même d'ailleurs est un roman sur la catastrophe, hein, bien sûr. Et l'autre, par contre, alors là, on peut imaginer que c'était un livre Rémi. Par contre, Velle, que j'avais publié pour les éditions des Embruns dans l'anthologie L'océan de demain, l'océan décide de ne plus fonctionner. Bon, bah, je sais que Yann, c'est quelque chose sur lequel non seulement tu écris des nouvelles, mais tu publies des anthologies, le monde d'après, enfin, le thème en général du monde d'après et de la climate fiction, de la fiction écologique, on va dire. C'est vrai que la catastrophe, on la retrouve dans beaucoup de mes travaux. Alors, avec trois casquettes, en fait, en tant qu'auteur, soit de nouvelles, soit de romans, et aussi comme directeur d'anthologie. Et d'ailleurs, la première anthologie que j'avais dirigée, c'était les maladies du futur. Donc, était complètement, donc une quinzaine de nouvelles, complètement avec des pandémies, bien sûr, et des problèmes qui sont devenus d'actualité. Mais sachant que globalement, les thèmes qui m'intéressent vraiment le plus, c'est les questions d'environnement. Et donc notamment, j'ai ce que j'appelle un peu une sorte de trilogie sur les trois grands problèmes environnementaux contemporains ou sources de catastrophes potentielles, les OGM dont a parlé Loïc et auquel il a participé. Le nucléaire, qui est bien sûr une source potentielle d'apocalypse, donc j'avais dirigé une anthologie là-dessus, et ce qui est peut-être le plus central, le réchauffement climatique, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille aussi en tant qu'universitaire, et qui, pour moi, sera vraiment la source
des changements futurs et où finalement ce qu'on vit va être rejoint par la science-fiction. Et notamment, j'ai publié deux romans qui se passent dans ce contexte. C'était mon deuxième roman, Le procès de l'homme blanc, qui se passe donc dans un peu plus d'un siècle. Et c'est un peu le principe du jour d'après. C'est-à-dire que le Gulf Stream a bloqué le réchauffement de l'hémisphère nord. Et ce qui reste de civilisation, c'est sous les tropiques et principalement à Singapour. Donc c'est un monde qui survit difficilement, mais avec des reliquats de la civilisation, sachant qu'il n'y a quasiment plus d'hommes blancs. Et justement, l'intrigue, c'est qu'ils veulent faire un procès de l'homme blanc pour essayer d'évaluer les causes de l'effondrement et de la catastrophe. Et il n'y a plus d'hommes blancs. Ils ont tous disparu. Donc c'est un roman très, très noir. Et sinon, j'en ai un autre qui est aussi sur le réchauffement climatique. Il s'appelle L'avenir ne sera plus ce qu'il était. Et où là, c'est toujours sur le réchauffement climatique, mais c'est beaucoup plus proche. C'est 2036, donc dans une quinzaine d'années. Et 2036, c'est pas par hasard, parce que c'est la date on considère qu'il y a un seuil de non-retour possible si on n'a pas réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, je fais arriver des extraterrestres. En disant, c'est l'extraterrestre qui vient nous dire, bon, jusqu'à maintenant, on vous observait, on n'a pas osé agir, mais là, vous avez atteint un point de non-retour, donc on vient vous aider. Et en fait, les extraterrestres introduisent beaucoup plus de catastrophes qu'ils n'arrivent à en résoudre. Voilà. Donc. D'accord. C'est vrai que, Pardon, est-ce que l'un de vous voulait dire quelque chose? D'accord. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, la catastrophe dans la plupart des ouvrages de fiction, elle est assez globalement négative. C'est-à-dire que le monde d'après qui se reconstruit est souvent un monde qui est terrifiant, qui est dur, en tout cas, qui ne connaît pas du tout le... qui est pas du tout. Alors, je viens de lire, ça dit une exception. Il y a pas très longtemps, je viens de finir une saga de science-fiction d'Ada Palmer où les hommes avaient vécu une guerre dévastatrice et ont reconstruit sur les ruines de leur monde une société qui ne connaît pas la nation, qui ne connaît pas le racisme, qui essaie de trouver un moyen de lutter contre le sexisme de façon très radicale et qui vit en gros dans l'égalité et la tolérance. Donc c'est le début de la saga, hein, c'est pas la fin. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que il me semble que la plupart des romans, c'est plutôt le contraire. La catastrophe donne une renaissance à un monde qui est pire que le précédent, ce qui est un peu le thème, par exemple, de la science-fiction post-apocalyptique. Et alors, je me demandais si, pour vous, il y avait forcément quelque chose qui était foncièrement plus intéressant d'écrire un monde qui est... Est-ce que c'est une façon de lancer une alerte, par exemple, de dire... si on laisse venir la catastrophe, on ne pourra plus rien reconstruire qui soit juste ou qui, enfin, une société qui sera forcément la société qui va venir sera forcément inégale. Ou je me demandais ça pour ce que vous avez lu. Est-ce que pour vous, si vous imaginez un monde reconstruit après une catastrophe, c'est forcément un monde qui est défaillant ou douloureux ou je passe la parole au premier qui a envie de répondre à cette question. Si c'est bien clair. Je me demandais si par exemple. Ouais. Oui, oui. Il y a souvent ces deux aspects. D'un côté, ça permet de faire une sorte de table rase en fait. Et de reconstruire quelque chose de nouveau. Et de l'autre, on a dans certaines fictions post-apo une idée d'un retour en arrière. Et on a notamment dans pas mal de fictions post-apo, en fait, on convoque l'image du Moyen-Âge avec souvent une sorte de féodalité qui se remet en place, etc. Comme si on avait cette idée qu'une catastrophe fait qu'on y a un recul en arrière. Ce qui est assez intéressant à étudier et à voir comment est-ce qu'on peut conceptualiser à la fois la catastrophe comme une grande perte, en fait, perte de tous nos acquis, etc., et voir comment est-ce que on peut s'en sortir. Mais on peut en avoir des plus positives.
Et pour le coup, alors c'est pas vraiment dans la fiction, mais c'est dans le jeu de rôle où on a certains univers de jeux de rôle qui permettent de créer quelque chose de vraiment très nouveau et plutôt dans le positif par rapport à la fiction où on a où le post-apo est peut-être plus courant, on va dire. Parce que c'est vrai que par exemple. Comment dire ? Si je prends l'exemple du, effectivement, dans les mythes, alors c'est un mythe forcément, mais dans l'imaginaire mythique traditionnel, la catastrophe arrive et le monde qui suit n'est pas forcément pire que le précédent. Ça dépend un peu des civilisations. Il peut être moins fort ou moins puissant, mais il n'est pas forcément pire que le précédent. Je sais pas, par exemple, je sais que Aurélie, tu es spécialiste des mythes mésopotamiens. Est-ce que c'est comme ça, par exemple, après, bien entendu. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire à cette question ? Pas forcément. Non, pour le coup, alors, bon, en fait, le déluge, le déluge, celui qu'on connaît le plus, c'est le déluge biblique. Mm-hmm. En fait, c'est celui qui est déclenché parce que Dieu trouve que l'homme est mauvais et corrompu, et il réduit toute l'humanité pour justement. Faire quelque chose de meilleur, de mieux. Mmh. Et alors que en Mésopotamie, en fait, le déluge qui est vraiment une source, une des sources du déluge biblique, ce déluge-là, il n'est pas du tout fait pour des raisons, pour punir l'homme. En fait, c'est simplement que y a un dieu à un moment donné. Qui n'arrivait pas à faire sa sieste, qui n'arrivait pas à dormir à cause du bruit que faisaient les humains. Et du coup, il décide de déclencher un déluge pour faire ça. Mais il y a un autre dieu qui réussit à le convaincre que ce n'est pas forcément la bonne solution. Et du coup, il n'y a pas vraiment de changement sur le déluge mésopotamien en lui-même. On n'a pas vraiment cette notion de on purge quelque part l'humanité de quelque chose. Voilà. Parce que peut-être, je me disais par rapport à ce qu'on imagine en science-fiction, nos imaginaires modernes sont peut-être plus pessimistes. Je ne sais pas si effectivement, par exemple, Yann, dans ce que tu as écrit, le déluge, la catastrophe climatique, elle rend le monde, en tout cas, elle amène une disparition d'une partie de la planète. Donc, Disons que la catastrophe climatique, c'est peut-être la pire, puisque c'est celle qui introduit des déluges à une échelle biblique, justement, de transformation majeure. Donc, de fait, le monde d'après peut difficilement être meilleur, puisque la catastrophe climatique va balayer et montrer toutes les fragilités du monde. Et donc, on rentre dans un effet domino où la plupart des sociétés ou des composantes, qu'elles soient politiques ou industrielles, vont s'effondrer, ce qui amène ces mondes post-apocalyptiques, un peu à la Mad Max, qui sont assez difficiles à éviter dans les projections, même si on veut être optimiste. Et d'ailleurs, j'avais quand même, j'ai dirigé un cahier de Géante Rouge en 2019 qui était appelé Utopie Positive, c'est-à-dire que j'avais essayé quand même de demander à plusieurs auteurs de proposer des situations post-catastrophe ou post-traumatique avec une vision positive. Mais bon, souvent, c'est un peu avec beaucoup de bémols. Parce que souvent, je me demandais, quand on écrit justement l'idée d'une catastrophe qui est un élément qui est destructeur et avec un monde qui en résulte, qui est pire que le précédent, on va dire, quelle est peut-être l'attention éventuellement pour vous en tant qu'auteur, je parle à tout le monde ici, en tout cas, tous ceux qui ont des nouvelles sur le sujet, est-ce que c'est pousser un cri d'alerte ? Est-ce que c'est juste se rendre compte d'une forme de fragilité ? Ou est-ce que c'est un pur plaisir créateur de se dire « je balaye tout et je recrée mon monde à la sauce » ou les trois à la fois, éventuellement. Peut-être que Thierry, tu veux nous dire quelque chose sur ce sujet voilà. La question est large, en fait. Ça va dépendre de l'intention. On peut mettre en place des catastrophes qui vont être des cris d'alerte pour dire
on peut éviter ce genre de monde, et donc voilà le chemin à ne pas prendre pour arriver sur ce genre de monde. Et on peut aussi avoir des catastrophes qui vont créer un monde intéressant en soi pour des questions purement narratives, même si ce monde n'est pas réaliste. Donc voilà, on peut avoir une vision très utilitariste de la catastrophe en fiction, et on peut aussi simplement trouver cette catastrophe totalement fun et totalement elle peut nous permettre de créer un monde qui nous intéresse. Je ne sais pas si je suis clair là dans ce que je raconte, mais voilà, il peut y avoir plusieurs façons d'utiliser des catastrophes. Voilà, je sais que par exemple, alors on a beaucoup parlé de science-fiction, mais il n'y a pas que la science-fiction dans l'imaginaire, il y a aussi la fantasy. En fantasy, on est censé pas se situer dans le futur, donc en tout cas pas être menacé par les mêmes catastrophes que les nôtres, on va dire. En même temps, il y a toujours l'idée du monde détruit et reconstruit, peut-être à cause du fait que c'est un schéma mythique, et voilà, et que la fantaisie puise dans les mythes. Mais même, par exemple, on passe d'un âge à l'autre par un bouleversement assez brutal. Si je me souviens bien, il y a un passage du second au troisième âge qui est marqué par la destruction complète d'une partie du monde. Donc, est-ce que en fantaisie aussi, bon, au moins pour les gens qui, je sais que vous n'en écrivez pas, mais pour ceux qui en lisent, voilà, ou qui en étudient, est-ce que c'est quelque chose à votre avis qui pourrait être particulièrement intéressant, même quand on n'est pas dans la science-fiction, même quand on s'éloigne des problématiques contemporaines, modernes? Pourquoi, Thierry, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le sujet? Moi, j'en écris de la fantaisie aussi. Ah. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'écris des nouvelles de fantaisie. Il y en a une qui devrait paraître d'ici peu chez nos amis québécois dans la revue Brin d'éternité, qui pour le coup est encore une histoire de maladie et de confinement, enfin de pandémie et de confinement, où pour le coup c'est une épidémie de maladie du loup-garou. On a une ville qui est très inspirée de Saint-Nazaire et des trucs comme ça, qui chaque nuit se calfeutre totalement, ferme toutes les portes et lâche des chiens dans les rues, parce qu'il y a des loups-garous qui, chaque nuit, essayent d'entrer dans la ville. Et que quand ils y arrivent, au moins, une fois qu'ils ont passé les remparts de la ville, ils tombent sur des rues vides et des portes fermées, et ils tombent sur des patrouilles de chiens lâchés dans les rues qui vont se battre avec les loups-garous. Donc, il n'y a pas une énorme différence entre la science-fiction et la fantaisie de ce point de vue-là, pour moi. Simplement, on va être sur des décors différents pour certaines questions qui peuvent rester les mêmes. On pourrait discuter vraiment de la définition de la science-fiction, mais si on n'est pas sur des sciences pures et dures maintenant avec la science-fiction, souvent on est simplement sur de la fantaisie avec des boulons à la Star Wars, quoi, grosso modo. Donc Star Wars est de la fantaisie, comme cette définition-là. Donc on peut mettre exactement les mêmes catastrophes, et que ça se passe à l'échelle d'une ville médiévale ou civile médiévale ou à l'échelle d'une planète, avoir les mêmes problématiques qui vont se poser, une famine qui va ravager la région ou qui va ravager la planète, une pandémie qui va ravager une ville, que c'est une pandémie de peste au Moyen-Âge ou une pandémie d'une future maladie qui ravage une ville entière loin dans le futur. On a exactement les mêmes problématiques qui peuvent se poser. Donc, à ce niveau-là, personnellement, je vois pas trop de différence entre fantasy et science-fiction. Après, la science-fiction peut vraiment être utilisée pour poser des questions sur comment, à la fois, notre monde actuel va répondre à cette hypothétique catastrophe qui n'est pas encore arrivée dans notre monde actuel. Dans ce cas-là, on est plus sur de l'anticipation que de la science-fiction. C'est ce que j'avais fait, d'ailleurs, moi, dans mon roman... Qui cherche toujours un éditeur, on est seulement quelques années dans le futur, donc on est sur un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, même s'il y a quelques différences. Et si on est vraiment très très loin dans le futur, souvent on peut retomber sur des mondes qui ressemblent beaucoup plus à de la fantasy qu'à des mondes de science-fiction, parce qu'on est revenu tellement loin, tellement bas dans le développement technologique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, que du coup, on ne fait pas trop la différence entre le monde passé et le monde futur. Ah, ça, c'est une petite anecdote très rapidement à vous raconter. C'est qu'effectivement, j'avais fait partie d'un concours d'écriture
très axée littérature générale, très très littérature blanche. Et dans les lauréats, une année, il y avait une personne, une nouvelle de fantasy, c'est un concours de nouvelles, il y a avec 13 lauréats. Et je crois que son texte ressemblait tellement à de l'anticipation post-apocalyptique que le jury ne s'était pas rendu compte que c'était la fantasy, sinon il l'aurait jamais pris. Parce que c'était le président du jury disait, clamait haut et fort qu'il détestait la fantasy et que jamais il ne sélectionnerait une nouvelle de fantasy, mais celle-là était passée entre les mailles du filet, car c'était après un monde fantasy, après une catastrophe, une forme de catastrophe climatique d'ailleurs. Ça avait l'air d'être un monde qui était un autre monde revenu à un stade médiéval. Donc, comment tromper un éditeur, faire de la fantasy post-apocalyptique? Voilà. Et d'ailleurs, bon, là, on parle de fiction, on a parlé du futur, on a parlé de la fiction, et peut-être, je voulais poser une question, peut-être pour les gens qui sont plus spécialisés d'histoire, hein, parce qu'il y en a beaucoup ici, au moins deux. je me demandais, est-ce que c'est imaginable que dans l'histoire, on a eu ce genre de cas, des catastrophes, ou en tout cas des bouleversements, qui ont donné naissance à un vrai monde d'après, ou est-ce que ça peut nourrir nos images, je vois Aurélie qui fait non de la tête. Non, alors malheureusement, en fait, c'est souvent, on a souvent l'impression qu'une telle catastrophe a tellement marqué, qu'il y a eu beaucoup de changements, de bouleversements. Mais dans les faits, en fait, en étudiant un petit peu les sources, les différentes périodes, etc., on se rend compte que, alors oui, il y a eu des changements. Il y a eu énormément de changements sur certains aspects économiques, politiques, etc. Enfin, il y a eu des changements, mais il y a fondamentalement, il n'y a pas de renouveau d'une société dans sa totalité ou d'un nouveau monde en fait. C'est après une catastrophe, que ce soit après. Après un tremblement de terre, après Pompéi par exemple, hein, qui a ravagé une région, voilà, il n'y a pas eu de changement. Après la peste, la grande peste noire du XIVe siècle, on a eu des changements un petit peu d'ordre économique, mais pas du tout dans les structures de pouvoir ni dans le mode de vie en fait. Fondamentalement, ça n'a pas vraiment changé. Là où on a le plus de changements après ce genre de catastrophe, c'est dans les mentalités et dans le souvenir que ça va laisser. La littérature, par exemple, plutôt les arts après la Grande Peste sont assez marqués hein, par ce souvenir de la peste. On a beaucoup de descriptions. C'est à ce moment-là qu'on a aussi, par exemple, la naissance des marches funèbres. On les voit danser, etc., ce qui est une thématique qui ensuite est reprise par la littérature assez largement, mais voilà, on n'a pas vraiment de changements radicaux et profonds après les catastrophes. La société peut-être, ouais. La société reste peut-être la même, mais c'est la littérature qui crée des mondes d'après. C'est ça. Et après, la littérature, c'est ça. Et bien, exactement. Et après, par contre, effectivement, ça permet de se poser des questions et la littérature fait que, après, on peut créer quelque chose à partir des réflexions qu'il y a eu, etc. Je crois que Yann va intervenir. Je nuancerai peut-être un petit peu parce que justement, mes deux derniers romans sont sur des périodes historiques, je pense, un peu charnières. Alors un qui va sortir là au mois d'octobre aux éditions Jourdan, qui se passe l'histoire d'un peintre primitif flamand dans la deuxième moitié du XVe siècle, et on a un peu quand même une idée de rupture, notamment parce que c'est le basculement du Moyen Âge à la Renaissance, et alors c'est vrai que c'est plus dans les idées, mais il y a quand même beaucoup aussi de changements techniques. Avec l'arrivée de nouveaux instruments pour faire la guerre, donc qui vont en bouleverser. Et donc un roman que je suis en train d'écrire là sur le Japon de l'ère Meiji. Alors là, bien sûr, c'est beaucoup plus local, mais on a le Japon aux alentours des années 1850, qui était resté isolé pendant des siècles et qui se retrouve obligé d'intégrer la modernité et la civilisation occidentale. Et là, il y a un raz-de-marée aussi dans la culture et dans les traditions, alors, localisé bien sûr dans un pays d'Asie, mais qui oblige les Japonais à se repenser complètement et à modifier leur société ou à disparaître
et quelque part aussi à faire des compromis en abandonnant une partie de leur culture. J'ai une question du coup, est-ce qu'on peut qualifier cette catastrophe? Ah, pour les Japonais, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a les canonnières américaines qui arrivent, ils ont vu l'empire chinois qui était leur modèle qui vient de s'effondrer. Et l'enjeu, c'est si on ne se modernise pas en catastrophe, on va être envahi par les armées occidentales et on va être réduit, on va être colonisé. Quoi. Donc, pour le ressenti japonais, c'est vraiment une catastrophe. Ouais. Qui a été, parce que je me demandais, par exemple, Loïc, tu es archéologue, n'est-ce pas? Alors, au niveau de l'archéologie, on a peu de traces de catastrophes. Alors, en anthropologie, quand on fouille des sépultures collectives, ce qu'on appelle les sépultures de catastrophes, comme les catastrophes. Après, moi, en plus, je suis pas du tout spécialiste de ça. Moi, je travaille plutôt un petit peu en archéologie du paysage, avec un petit peu de biologie. Alors j'assiste à des catastrophes sur le terme végétal, quoi, on va dire en revanche. Mais voilà, c'est pas trop là-dessus que je travaille. Après, on aimerait tous trouver les traces des très grandes castes mythologiques, évidemment. Voilà, bon, ça c'est autre chose. C'est un autre problème. Sur ce plan-là, non. Après, moi, il y a juste une réflexion que je me fais, c'est que quand la catastrophe en science-fiction ou autre est énoncée, ou même en fantasy, ça aboutit rarement sur quelque chose de mieux. Dans la littérature, j'ai l'impression, en fantasy, par exemple, je pensais à Hawk Moon de Michael Moorcock. La société est totalement reconstruite sur quelque chose de totalement cochon. Alors que beaucoup disent, je pense à voilà, le progrès se pense du point de vue de la catastrophe, nécessairement, Yamine. Mais la fiction n'a pas l'air du tout d'accord dans tous les cas. L'élément est fondateur, mais on a encore un petit problème de son, je crois. Bon, je crois qu'on a compris l'idée, au moins. J'espère que si on n'a pas la lettre, on a l'esprit. Aurélie disait que, bon, en histoire, on ne voit pas de catastrophes naturelles qui donnent naissance à quelque chose de nouveau, ou peut-être des catastrophes, entre guillemets, culturelles. On a des évolutions quand même, mais il n'y a pas cette idée de grand renouveau après une catastrophe qui n'est pas. Voilà, cet élément-là. Bon, alors effectivement, à nuancer, bien sûr, hein, toujours, mais voilà, c'est juste. Disons que les mondes d'après se construisent pas en une seule fois, comme ça. On peut dire ça comme ça. Voilà, comme le passage peut-être du Moyen-Âge à la Renaissance qu'on notait. Peut-être que la Grande Peste y est pour quelque chose, au moins culturellement, mais bon, peut-être pas. Alors, le passage reste en plus quelque chose qui est très discuté par les historiens. Oui. Voilà, c'est pas aussi tranché, etc. C'est beaucoup plus facile de donner des dates parce que ça permet l'apprentissage, ça permet les études, etc. Mais voilà, faut pas voir quelque chose comme un mur qu'on saute et on passe à un niveau supérieur. C'est vraiment, il y a beaucoup beaucoup d'éléments de continuité et de continuité et de changement en fait, plus que de rupture. Avec effectivement des cas particuliers au Japon, j'avoue. Et à ces éléments, je connais vraiment pas trop cet élément-là, donc je m'avancerai pas là-dessus. Ouais. Non, mais peut-être des catastrophes, Japon, d'ailleurs. Il y a eu le maintien, c'est une des clés de la réussite du Japon, c'est d'avoir su garder toutes ses traditions et en intégrant en même temps toute la modernité qui lui était imposée par l'Occident. Ou peut-être, on peut dire que s'il y a des catastrophes qui ont amené, en tout cas, des changements de monde pour des gens, c'est peut-être des points de vue plutôt des rencontres entre peuples humains, comme le Japon rencontrant l'Occident, ou plus catastrophique, on va dire, l'Amérique rencontrant l'Europe, ou l'Europe rencontrant l'Amérique, et annihilant les civilisations qui s'y trouvaient, par exemple. Hein, j'ai commencé avec les Incas, voilà un bon exemple de catastrophe. Voilà. Après, il y a eu un nouveau monde, mais littéralement un nouveau monde, mais bon. Littéralement, oui. Construit sur des buts, sur des fondements un petit peu effrayants, mais bon. Mais on s'éloigne de la fantasy et on s'éloigne de la science-fiction, beaucoup. Sauf si peut-être ça. Cela dit, il y a quand même en science-fiction, il y a très très souvent le thème de la Terre rencontre des extraterrestres et c'est une catastrophe.
ou je sais pas si vous avez déjà, bon, je sais qu'Yann, tu as exploré ce sujet, les extraterrestres arrivent sur Terre, bon, ils arrivent après ou en même temps que la catastrophe des humains, mais... Alors, j'ai mon dernier roman qui vient de sortir, justement, qui est assez drôle, oui, par rapport à ça, qui s'appelle les bulles du diable, qui viennent de sortir aux éditions du 38. Et alors, c'est tout à fait étonnant, justement, en catastrophe, parce que ce sont des grosses boules de la taille d'un terrain de football, mm-hmm, qui arrivent sur Terre, mm-hmm, qui restent complètement inertes. C'est-à-dire que la catastrophe, elles sont disséminées, mais elles restent inertes. La seule chose, c'est que quand on s'en approche, ça détruit ce qui s'en approche, mais ça ne cherche pas à communiquer, mm-hmm, avec les humains, ça bouge pas, et ça reste là. Et la seule présence de ces boules disséminées à travers toute la planète suffit à se faire s'effondrer le monde. Parce que les gens ne comprennent pas, les gens ont peur, essayent de les détruire, n'y arrivent pas. Et donc la catastrophe n'a rien de catastrophique, que les humains auraient pu continuer à vivre à côté de ces boules, en les intégrant comme des gros rochers ou des éléments qui sont posés dans les paysages. Et ils sont obligés, et en fait ça provoque l'effondrement, et le roman se passe 70 ans après. Où là, on est revenu c'est surtout en Amérique, donc dans une Amérique où les Amérindiens ont repris, au contraire, de l'importance, parce que les sociétés techniciennes se sont effondrées, et puis il y a l'armée qui essaye de reconstruire un petit peu la société d'avant, et puis beaucoup de religions. Puisque je crois que c'est aussi des particularités des catastrophes, c'est que ça éveille tout le sentiment religieux, et ça amène les gens à rentrer ou à adhérer à des sectes, etc. Donc là, c'est aussi un élément important du roman où le religieux est complètement réintégré. Alors, il est très présent aux États-Unis, on le voit bien avec notamment Trump en ce moment, mais ça revient encore plus fort avec l'effet catastrophe. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez c'est vrai que par exemple en science-fiction la rencontre avec les extraterrestres c'est très très commun, enfin c'est l'un des thèmes courants de la science-fiction et comment ça va bouleverser la Terre. Je viens de par exemple il y a la trilogie de l'auteur chinois Liu Cixin qui est sortie en fin d'année dernière et qui est exactement sur ce thème, comment la rencontre avec les extraterrestres bouleverse l'humanité. Bon, je viens de spoiler le premier tome, mais Thierry qui fait oui. Bon. En même temps, la quatrième de couverture spoil le premier tome. Ouais, mais en tout cas, il y a une rencontre avec des extraterriens, enfin, des non-terriens, ça bouleverse l'humanité avant même qu'ils soient là. Voilà. C'est assez intéressant. Je ne sais pas si c'était un sujet que vous avez voulu, sur lequel vous avez écrit, voulu écrire. Donc, Yann, on sait que tu l'as traité, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser éventuellement, ou autre chose, de cette idée-là. Loïc, tu voulais dire quelque chose? Pour ma part, non, je levais les yeux, je regardais un peu, je réfléchissais. Non, c'est pas un thème que j'aime bien lire. Depuis la guerre des mondes, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais que j'explore pas du tout. C'est le thème de l'extraterrestre. Je l'apprécie. Je suis pas du tout inspiré par ça. C'est la catastrophe, oui, mais la catastrophe individuelle, beaucoup des choses comme ça, peut être fondateur d'un changement, du tout sur la même échelle, hein, évidemment. C'est pas au sens d'un élément fondateur dans la fondation d'une civilisation. Ça n'a rien à voir. Cela dit, peut-être que Aurélie sera d'accord avec moi. Quand on a des mythes fondateurs sur une civilisation dont on a des traces écrites, alors moi je pense par exemple à Rome, on est dans la fiction la plus totale, on le sait bien, la réappropriation. Rome par exemple invente une généalogie qui fait remonter à Énée, qui est l'un des survivants de la catastrophe qui conduit au fait que Troie soit rasée. Donc on est quasiment
quand on lit Homère, on est déjà dans la fantaisie, quoi qu'on en dise, et on est même dans quelque chose de totalement fictif. C'est espèce de voilà. Et je pense que c'est loin d'être le seul mythe connu qui soit de cet acabit. C'est le cas également sur les anciens textes gallois ou gaël que l'on connaît. On n'en connaît pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Catastrophe peut être régressive et donne une légitimité. Et je pense que le phénomène marche dans les deux sens et marche en science-fiction aussi. Ça légitime une société quelque part. Ouais. C'est pas forcément la catastrophe comme élément fondateur, mais les fondateurs qui se réfèrent à la catastrophe, qui voilà. Se disent, je pense que ça... comment on va remonter voilà. une catastrophe. On va le justifier de cette manière. On a mis ça en place parce que on peut pas faire autrement. Oui, c'est vrai que c'est un. Bon, moi, ma spécialité, c'est la mythologie grecque, et effectivement, il y a un schéma mythique classique qui est de dire un personnage a vécu une catastrophe, soit collective, destruction d'une cité, soit individuelle, et il a été chassé de chez lui. La fondation de Carthage, la fondation de beaucoup de cités grecques, Thèbes, etc. Des personnages sont chassés de chez eux et doivent reconstruire à partir de là. Donc c'est pas une catastrophe naturelle, c'est pas une catastrophe. C'est rarement des catastrophes collectives du type une cité disparaît, mais c'est une catastrophe individuelle. Un individu riche, puissant, perd toute sa puissance, perd sa famille, perd son appui familial et doit partir et aller construire ailleurs. Et alors là, la différence avec ce qu'on peut trouver en science-fiction ou même dans notre problématique contemporaine de la catastrophe qui nous pend au nez, des pandémies, du climat, etc., c'est que nous n'avons pas d'ailleurs où construire. Nous n'avons pas de planète B. Voilà, nous ne pouvons pas juste fuir, aller sur le satellite, je ne sais quel satellite de Jupiter. Bon, ça a dû exister en science-fiction, cela dit. Hein. Je pense très très largement. Les hommes vont coloniser autre chose. Il y a plein de livres sur cette idée de la planète est polluée, la planète est irrécupérable, et on envoie un gros vaisseau ou des flottes de vaisseaux qui partent à la recherche d'un nouveau monde, d'une nouvelle planète. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose de très courant en science-fiction. En général, on va du coup dans ces-là vers soit des histoires de colonisation d'autres mondes totalement différents, soit vers des histoires de vaisseaux générationnels, ce qui est intéressant aussi, parce que les vaisseaux générationnels, c'est des mini-mondes qui doivent recycler leurs propres ressources, parce qu'ils sont vraiment... c'est des mini-terres avec tout ce qui peut exister, c'est ce qu'ils ont, et tout autour, c'est l'espace totalement vide, et donc du coup, il faut en fonction de ça, réussir à survivre avec ce qu'on a emporté. Et ce qui est très intéressant, un livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé, c'est le troisième livre de Becky Chambers sur la saga Wayfarers, qui s'appelle Archives de l'Exode, où en fait on a les humains qui avaient lancé une flotte générationnelle comme ça pour essayer de trouver un nouveau monde. Et cette flotte a réussi à trouver pas directement un nouveau monde, mais des extraterrestres amicaux qui les ont aidés à s'implanter sur différentes planètes et à rejoindre une alliance extraterrestre, et voilà. Donc en fait, la flotte générationnelle, la flotte de vaisseaux n'a plus d'utilité. Mais les gens, il y a quand même une partie des personnes qui continuent de vivre dans ces vaisseaux, même des dizaines, des centaines d'années après. On est rendu à plusieurs générations, alors qu'ils auraient pu quitter ces vaisseaux et aller s'implanter sur des planètes. En fait, il y a une partie de la population qui préfère vivre, garder ce mode de vie, de vivre dans des vaisseaux, qui est un mode de vie extrêmement solidaire, extrêmement proche des gens, extrêmement, extrêmement humain. On est vraiment sur du pop-punk total avec Becky Chambers, sur de la science-fiction très positive, très bienveillante. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette approche où on a un vaisseau une flotte de vaisseaux en l'occurrence qui a atteint son but. Et malgré cela, du coup, à quoi sert une flotte de vaisseaux de genre qui a atteint son but? Et qu'est-ce que à partir d'une catastrophe, on a réussi à faire? Et pourquoi ce qui était transitoire, en fait, on décide d'en faire quelque chose de permanent? C'est un très très beau livre pour ceux qui ont envie d'approfondir un peu la question. Je le conseille. Archives de l'Exode de Becky Chambers. Les deux premiers d'avant sont aussi très très bons, même si vous pouvez les lire totalement indépendamment les trois livres.
Ok, je me demandais s'il y avait des questions du public, mais apparemment le public est époustouflé par toutes les choses intelligentes qu'on est en train de dire et ne sait plus quelles questions poser, je pense. Du coup, je vais peut-être en trouver une à poser. Oui, on se disait effectivement, il y a aussi un truc assez intéressant. Je pense à deux exemples en fantasy et en science-fiction. Là, je viens de lire Un milliard de tapis de cheveux de Andreas Cespard. On ne spoile pas. Mais on peut dire, parce que ça arrive très tôt, que. Comment faire pour ne pas spoiler cette vie ? Que ça se situe après la fin d'une époque. Voilà. C'est bon, c'est pas un spoil. Après la fin d'une époque. Et que il y a quelque chose dans l'ambiance où on sent que on est après quelque chose qui s'est passé, qui a été un bouleversement de l'ordre global. Et que on est sur une espèce de longue traîne. Le monde ancien n'a pas encore complètement disparu. Et en fantasy, on a quelque chose d'un peu similaire, je pense, dans Gagner la guerre de Javorski. Il y a eu une guerre, elle a été gagnée. Ou presque, en tout cas, on arrive au début du roman, l'armée a vaincu, et tout le reste finit par comment se passe l'après de la guerre, l'après de la catastrophe, et comment on achève la guerre. Sauf que bon, Javorski a évidemment une réponse extrêmement cynique, hein. Bon, on va voir. Enfin, les gens qui le liront verront. Et c'est peut-être quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, peut-être pas ce qui se passe après la catastrophe, pas le monde d'après, mais le monde de pendant. Ou de la fin, de ce qui traîne de la catastrophe. Est-ce que c'est un peu quelque chose qui vous intéresserait, vous, d'écrire ou d'explorer ou... Voilà. Est-ce que Thierry, tu... Bah, du coup, moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait sur certains romans. En fait, dans l'univers dont je parlais au tout début, on avait ce flash électromagnétique qui crée une nouvelle situation. Donc, à partir de là, on peut faire un monde qui est juste après la catastrophe. On peut faire un monde très loin dans le futur. On peut faire un monde qui est quelques mois après la catastrophe. J'ai essayé les différents scénarios avec différentes histoires et tout marche en fait à partir du moment d'une bonne histoire. Pour moi, il y a pas de problème. Ça marche et on peut toujours trouver des histoires à raconter, quelles qu'elles soient. Oui, forcément. Forcément, l'essentiel, c'est d'avoir réussi à exploiter un sujet qui peut être dur parfois, qui peut paraître dur de l'extérieur, et finalement faire quelque chose qui soit, qui peut exploiter cette dureté, mais qui peut aussi être séduisant. Il y a beaucoup de réponses possibles, je pense. Et aussi, enfin, il y avait une question que je posais. Il y a quelques années, en 2012, on nous annonçait qu'il y avait, c'était complètement n'importe quoi, mais on nous annonçait qu'il y avait une prophétie maya qui nous annonçait la fin du monde en 2012, le 21 décembre 2012. Nous y sommes encore, ou alors nous vivons tous dans une réalité virtuelle où nos cerveaux sont implantés et nous font croire qu'on est en 2020, ce qui serait peut-être bien des choses, des élections bizarres. Pour faire très rapidement, par là très rapidement quelque chose que j'ai écrit, la maison d'édition Les Nescripteurs avait publié une anthologie sur le thème En attendant l'apocalypse, parce que c'était pour octobre 2012, nous étions deux, dont moi, à exploiter un sujet où l'apocalypse n'arrivait pas et les humains étaient extrêmement déçus, car ils l'attendaient, cet apocalypse, et ils ne l'avaient pas eu. Maëlys Duval a écrit par la suite un grand roman de fantasy, Le goût des cendres. Et moi-même, on avait écrit deux nouvelles qui étaient un peu sur ce sujet. Et le jour même de l'apocalypse, les humains attendent, et ça ne vient pas. Et de cette manière, en tout cas pour moi, c'était une manière de dire peut-être qu'on attend un quelque chose d'un peu romanesque dans nos existences, donc, tout en étant peut-être un tout petit peu perturbé quand ça arrive vraiment. Voilà. Et est-ce que, à votre avis, parce que les fusions post-apocalyptiques, c'est quand même très ancien, ça date largement d'avant même la question climatique. D'une certaine manière, la guerre de monde de Wells, c'est déjà une fiction apocalyptique, en tout cas, une destruction du monde. Est-ce que, à votre avis, il y a quelque chose dans l'imaginaire qui nous fascine à ce sujet? Est-ce que vraiment, est-ce que imaginer la catastrophe, c'est quelque chose qui est particulièrement cathartique? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà.
Peut-être, Yann, si tu vois, quelle est ma question? On ne connaît pas trop vague. Je crois qu'effectivement, de toute façon, la catastrophe, c'est le grand bouleversement. C'est-à-dire qu'un des éléments majeurs de la science-fiction, c'est changer un paramètre pour voir comment le monde pourrait évoluer différemment. Et là, quand on casse tout, ou quand on introduit quelque chose qui bouleverse l'ensemble des sociétés, c'est le changement de paramètre par excellence. Je pense peut-être que ce qui change aujourd'hui, enfin très récemment, depuis quelques années, c'est que cette catastrophe devient de plus en plus annoncée. Et à la fois, on avait un peu les catastrophes nucléaires qui font craindre Tchernobyl, Fukushima, le réchauffement climatique qui devient de plus en plus annoncé comme quelque chose de difficile à éviter, et puis cette pandémie du Covid-19 qui reprend des scénarios ou des romans, des nouvelles que plusieurs d'entre nous ont écrit. Donc, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'on rentre dans la science-fiction. D'ailleurs, ça a été dit par plusieurs journalistes que ce que la science-fiction avait imaginé, elle devient le quotidien des gens, où les gens réalisent qu'ils sont en train d'entrer dans des futurs qui vont être différents de ceux qu'ils avaient imaginés. Et plus tellement dans la continuité de ce qu'on a vécu depuis l'après-guerre. Et on rejoint là la thématique dont tu parlais, Louise, sur la déception apportée. Parce que le nombre de mèmes qui ont parcouru Internet en disant « Ah ben, c'est ça, l'apocalypse, c'est faire la queue pour acheter un paquet de pâtes ou un paquet de papier toilette ». Voilà, il y a aussi cet aspect-là assez intéressant à voir. Et en plus, comment ça a pu ramener des images qui étaient anciennes et pas nouvelles, c'est-à-dire aller faire la queue pour un paquet de papier toilette ou de pâtes, ça nous ramène plutôt au temps de la guerre. Ouais, Loïc, tu as voulu nous dire quelque chose et on n'a pas très bien entendu ce que tu voulais nous dire. Mais je métastrophe. Oui. Ah, la catastrophe, je crois, elle a quelque chose de rassurant. On en a un peu besoin dans un monde qui va très vite. Moi, je suis né dans les années 70. Je me rappelle très bien de regarder Il était une fois l'homme qui finit sur l'explosion de la planète. À l'époque, c'était la guerre nucléaire. Aujourd'hui, on en est problème épidémiologique et ça date pas du Covid. Et je trouve qu'il y a même d'ailleurs, elle est plus rassurante cette science-fiction que la science-fiction où on la vit. Et là, je crois que punk. Le genre cyberpunk initié par K.J. Gibson est 10 fois pire finalement qu'une catastrophe soudaine. Malheureusement, je pense que la catastrophe que nous vivons, c'est celle qui est la plus proche de la réalité. Peut-être l'idée que finalement l'avantage entre guillemets. Si j'ose dire, une catastrophe, c'est comme son nom l'indique, c'est terrible. Et beaucoup de gens qui imaginent le monde d'après, il a été critiqué aux gens qui imaginent le monde d'après d'être quand même un petit peu froid par rapport au nombre réel de victimes. Voilà. Mais il y a d'une certaine manière une consolation peut-être à se dire que au moins le monde d'aujourd'hui va s'arrêter et on passera à autre chose et qu'on peut rêver en mieux. C'est peut-être aussi ça l'imaginaire mythique. En tout cas, chez certaines civilisations, on passe à un âge qui est un tout petit peu différent, au moins différent, si ce n'est meilleur, que le précédent. Alors, parfois pire ou parfois égal, mais parfois meilleur, et il y a une espèce de consolation là-dedans. Après, avec ce que ça a d'un peu factice, forcément. Bon, je ne sais pas si... Je crois qu'il nous reste une petite minute, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, il faut peut-être justifier, c'est peut-être la crainte actuellement, justifier la montée des totalitarismes. C'est-à-dire que les catastrophes peuvent aussi servir parfois à justifier comme les craintes qu'on a aujourd'hui sur la liberté d'expression ou d'autres choses. Ouais. Voilà comment finir sur une note joyeuse. notre petite table ronde. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose d'un peu plus riant ou pas? Peut-être qu'il vaut mieux qu'on parte avec cette leçon. Non, voilà. Bon. Non, mais l'avenir peut aussi être positif.
L'avenir peut aussi être politique. Après tout, n'oublions pas que c'est aussi sur des catastrophes comme les guerres mondiales qu'on a établi l'une des sociétés qui était quand même notre société qui, à plein des égards, est bien meilleure que les sociétés du passé, au moins d'un point de vue, de rapport entre les différents êtres humains. Hein, au moins, si on n'est pas juste les uns ou égaux les uns entre les autres, au moins on fait semblant. Oui, ça mériterait beaucoup mieux. Ça mériterait une autre table ronde qui pourrait durer 3 heures. Mais voilà. Merci beaucoup pour avoir partagé ce petit moment d'échange pour finir le dimanche soir. Et puis, en espérant que, voilà, qu'effectivement, on puisse profiter avec des grands guillemets, car évidemment, c'est difficile de profiter d'une catastrophe, hein, mais en tout cas, réussir à construire quelque chose, si ce n'est d'un renouveau, mais au moins d'un petit peu différent, de légèrement différent, en mieux, idéalement, pour demain, et d'éviter les vraies menaces qui sont pas réelles. Peut-être nous pendonner. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. J'espère que tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous allez écrire, va rencontrer le succès. À l'occasion, on pourra peut-être se reparler sur la scène plus joyeuse. Ben, espérons-le. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Puis merci beaucoup à tous les gens qui sont connectés sur ce stream de nous avoir suivis. Et merci beaucoup aux organisateurs de Miss Fiction de nous avoir donné la parole. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur miss-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.